Bonjour mesdames, messieurs, passionnés de catégorie D. Aujourd'hui, petite vidéo assez courte, assez sympa. Je ressens mon CP2 et puis je vais taper. J'ai fait les réglages à peu près correctement. Donc après, si ça marche pas bien, c'est que c'est l'homme qui est nul. Cible et puis désengage de téléphone. Got me a bottle, looking out at my Eldorado. Smoking a biro, whip up an egg and avocado. I'm on the porch like a slummy Ralph Lauren model. Flannel shirt like a lumberjack, chopping a lago. Pistol next to the ashtray, no bow and arrow. Got black plato, knock the beef out your top nacho. I'm living life like there is a tomorrow. I'm slow motion, I'm slow cooking the crock pot holds potatoes. I smell the storm coming, I like watching the sorrow. I like watching that muddy water filling up the potholes. I like hearing the woods cry, moan, whispering, sing song so I can think long. An aficionado, raindrops from the string hit, a pizzicato. I'm free falling the airplane, pilots on idle. Freezer looking like I hit the lotto. And I got beer colder than a Colorado hollow. Do you follow? And just like the howling wolf, a couple sips down and it's nothing but blues. Alcohol and rain, now that's what grown men do. You keep it 100, I keep 100 proof. Cause when the raindrops falling on that old tin roof, I pour myself a glass of liquor and I get the blues. To get down, I get loaded down. To get down, I get loaded. Call me what you want, but don't call past two. Unless you got some liquor to contribute. Until I'm heavily faded. All of a sudden the suds I'm sipping got me feeling it jamucated. I complicate the uncomplicated. My drinking partners are the greatest. Me and my buddy Jack Davis, Daniels, whatever. We Jimmy Beaming. If we get lucky, maybe we get a visit from the baby King 13 and they're fucking crazy. 10 racks for a crystal chandelier full of liquid Swayze. Now Patsy Cline got me walking. Voilà, les amis. Gotta make sure to keep the lid tight. Bon appétit, c'est son petit en même temps. Fait du bien. Résultat. Ou alors, résultat du téléphone. Bon, c'est quand même bien rentré. Hein. Donc là, j'ai tiré que le CP2 à 6 mètres. Bon, bah oui, on passe track tout le temps. Hein. Par contre, voilà le pointage, tu vois, il est bien rentré. Il a bien. Bon, là, toi, ça n'a pas transpercé. Mais tu vois l'état de la batterie là. Bah ouais, le téléphone, il a claqué. Il a claqué, il y a eu des grandes chaleurs. J'ai eu le malheur de le laisser poser à travers un Velux et la batterie derrière elle a gonflé comme il n'y a pas. Plus c'est des batteries collées, enfin tu vois le truc qui peut tuer. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo détente vous a plu. Et puis, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera postée, mais je vous souhaite de bonnes vacances. Et l'Artemis CP2, bon, vous voyez, à 6 mètres, ça va, à 6 mètres, ça a été 8 mètres. 8 mètres, faut que je peaufine encore mes petits réglages. Hein. Et puis, je vous cache pas qu'à 8 mètres, là, sur cette cible-là, je commence à galérer, je commence à pas très bien voir. Donc, ça devient un peu plus compliqué. Mais à 6 mètres, c'est jouable, c'est totalement. Voilà, on est pas mal. On triche pas. Une session comme ça, voilà, on peut pas tout le temps faire 10. Hein. Et puis, voilà. À bientôt. Ciao, ciao. Whiskey.